Eh bien, salut tout le monde, c'est Pascal. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Pokémon version Iranium. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans le menu du jeu, tout simplement parce que vous avez été beaucoup à me dire qu'il y avait un cadeau mystère à aller tout simplement à récupérer. Donc écoutez, ben, je vous propose qu'on le récupère du coup ensemble. Hop, c'est là-dedans. Et donc il y en a plusieurs apparemment, hein, parce que voilà, donc on a reçu ça. Ok, donc il va être livré un Pokémart. Ouais, yeah! On a reçu, alors c'est quoi son nom lui? Je sais plus, mais il est shiny en fait. Hop, on a une petite herbe aussi. Très bien. Et on a derrière encore ça. Bon, ça je sais pas trop ce que c'est les objets, hein, je vais pas vous le cacher très clairement. Hein. Hop, donc voilà, je voulais simplement vous montrer qu'il y avait ça parce que vous étiez beaucoup à me dire dans les commentaires, ouais, va chercher dans les cadeaux mystères et tout, il y a un shiny, c'est trop bien et tout. Donc voilà, du coup on se retrouve, mais on s'était laissé hein, au plan nucléaire là. D'ailleurs, est-ce qu'il y a un PC ici? Parce que ça c'est une bonne question. Ah, il n'y a pas de PC. Il n'y a pas de PC et est-ce que je peux soigner... Ils sont déjà soignés, donc en soi il n'y a pas besoin. Il n'y a pas de PC, donc très bien. Du coup, on était ici parce qu'on devait chercher un petit peu s'il n'y avait pas des traces de notre maman, tout simplement. On explore un petit peu l'endroit hein, à la recherche de notre maman, on va dire ça comme ça. Étant donné que bah, c'est ici qu'il y a eu l'explosion. Donc on va bien voir ce que ça dit. Tofurang, ok, donc lui on connaît. Hein. Alors on est toujours notre Folly Rogue. Hein. Ok. Alors, je vais faire Bubble Beam parce que c'est stabé, mais parfait. Quoi? Oh non, il a même pas. Faudrait qu'on aille du coup au Pokémart. Bon, bah je dirai la prochaine fois. Hein. Évidemment, fallait qu'il soit paralysé. Non mais c'est sérieux ou pas là? Non mais j'ai pas de bol. J'ai pas de bol, je crois. Allez, Avedon, c'est parti. J'utilise Avedon parce qu'au moins il se prendra qu'une attaque vu qu'après il a la vive attaque tout simplement. Je suppose qu'il a fini, ouais, voilà, exactement. C'est parfait. Alors, pop. Hop, faut les rogues niveau 23, c'est parfait. Tac, ok, niveau 25. Shot, qu'est-ce que c'est, shot? Ah, mirror shot, ok. Yes. No. Minion. Ok, une espèce de petite chauve-souris, très bien. Hop, mais je crois qu'on l'a déjà croisé ou je l'ai déjà vu sur internet, je sais plus, mais... Soit. Alors, du coup, derrière, tac, quick attack. Parfait. Voilà qui est bon, alors on va juste aller soigner parce que du coup... Ok. Bon là en fait, voilà la particularité du jeu, c'est qu'il y a des Pokémon qui ont tout simplement été exposés, on va dire, à la radioactivité de l'explosion nucléaire hein, qu'il y a eu. Et du coup, vous voyez, ils ont une autre forme. Alors, bon, j'ai passé le combat parce que voilà, je crois qu'on peut les capturer. On va tester d'ailleurs. Mais je crois qu'on peut les capturer. Et du coup, ils ont une forme un petit peu différente. Et je crois qu'ils ont pris le type nucléaire aussi. Je sais pas trop dans la table des types ce que ça vaut. Mais je crois que c'est ça. Et du coup, on peut trouver. Bah, je pense qu'à mon avis, tous les Pokémon de la zone doivent être comme ça. Et je ne sais pas par contre s'ils ont des attaques différentes ou pas. Donc, ça, on va bien voir.
Houten, bon, on va peut-être pas forcément le capturer. Je vais capturer quand même un Pokémon que j'aime bien, je vous le dis. Donc peut-être un Tankoon pour changer le nôtre. Pourquoi pas, vu qu'il y en a. Oh, c'est quoi ça? Ah oui, mais on l'a déjà vu lui, je crois. En vraie version, non? Ah, je sais plus où, c'est encore moi qui ai vu sur internet, je sais plus. Bon, on va passer ça. Tac. Alors du coup, on a un petit combat ici contre un scientifique encore. Oh! Parodio. Allez, Bubble Beam, vas-y. Ouf! Ouh là là, il est type psy. Yeah! Non. C'est qui? Ah bah c'est lui qu'on vient de voir en fait hein. Sauf qu'ici il est en mode oh non. Oh oui, ça sentait la fin. Effectivement. Il est niveau 22. Il est niveau 22, on va tenter avec Raptorch. Faut le faire expirer un petit peu le pauvre. Bon même si je sais bien, il y a la pluie, c'est pas top. Je sais pas il est type quoi par contre. Bon, le feu lui fait pas grand chose. Oh là là, mais les dégâts qu'il fait. Ah, ok. Parfait. Bon, par contre, là, ouais, je suis pas bien. C'est parfait, mais je suis pas bien, quoi. Ça rend combien, cette histoire? 50 HP? Ah, mais c'est bien, ça. Du coup... Parfait. Ok, en plus il a... On aurait pu le finir, hein, mais bon. Ah non, quoique on le finissait pas. Hop, bon, sa précision baisse encore. Ah, dommage. Hop. Ok, parfait. Très très bien, bon. Du coup. Oh! Kinet Monk, c'est l'évolution de notre Chien Monk là, je sais pas quoi. Ok. Ah, je peux pas m'échapper par contre. Ah oui, en plus, ils font des dégâts. Ah, à mon avis, si ça, ça doit être une capacité que seuls les types nucléaires peuvent avoir. Par contre, je ne sais pas du tout sur quoi est-ce qu'ils ont l'avantage. Comme type. Parce que là, du coup, type sol-feu, il y en a un des deux où ils ont l'avantage. C'est peut-être le type feu, après tout. Ah, apparemment, le type vol est très efficace. Très bien. Alors, on va peut-être retourner en arrière, du coup. Bon, je suis désolé, parce qu'on risque de beaucoup retourner en arrière, revenir en avant et tout, mais c'est pour soigner... malheureusement mon équipe hein, vu que ils prennent cher. Ouais, je pense que le type vol est bien efficace contre eux. Vous me confirmerez ça ou bien je me le confirmerai à la suite hein, mais. Ok, en tout cas ils sont stylés. Au niveau du design, je les trouve très stylés parce qu'ils me font penser énormément. Pour ceux qui ont connu, sur la Nintendo GameCube, il y avait un jeu où il y avait des Pokémon obscurs qui étaient sortis, Pokémon XD et Pokémon Colosseum. Et il y avait une version de Lugia notamment où il était en mode Dark Lugia. Vous pouvez taper sur internet, hein. De toute façon normalement vous l'avez déjà vu si vous suivez un petit peu Pokémon. Et ça me fait un petit peu penser à ça. Mis à part qu'il y a le vert autour d'eux, mais sinon ça me fait vachement penser à ça et c'est vraiment sympa. En tout cas, qu'ils aient créé une nouvelle forme, on va dire ça comme ça. On va plutôt appeler ça une forme, même si certains d'entre vous vont peut-être dire « Mais non, c'est juste un type ou un truc comme ça, mais... » La forme change un petit peu, quoi, on va dire. Yeah, un Tankoon. Bon, on va essayer de le capturer, tiens, pour voir un petit peu, si on peut déjà. Alors, on va utiliser quoi?
On va tenter un petit bubble beam. Ça devrait pas. Ah si. Oh merde, ça le one shot. Je m'attendais pas à ça. Ok. Bon, on se tape tous les scientifiques de la zone. Scientifiques qui n'ont pas d'ailleurs leur Pokémon en mode. En mode nucléaire. Oh non. Aïe aïe aïe. Il y a tout qui est super efficace ici. Parfait. Parodio. Allez. Oh non, c'est pas vrai. À mon avis, là, il est KO. Oh non, il disait 10 HP. Très bien. Vas-y. Yeah. C'est quoi? 65. Je peux mettre à la place d'acide, ouais. Je vais garder poison. C'est quoi? C'est Darvenin, je crois. Poison Sting, parce que ça peut être sympa pour empoisonner les gens, notamment. Alors, est-ce que c'est par ici que je dois venir? Oui, je suppose. Oh non. Mais c'est chiant leur capacité de nous empêcher de partir là à chaque fois. Je vous raconte pas. Allez. Non merde, je voulais pas faire ça. Bon, c'est pas grave. Oh! Coup critique. Mais est-ce que je vais y arriver? Un Pokémon sauvage qui va tous tuer tous mes Pokémon, quoi. Je vous jure. C'est vrai que j'aurais pu utiliser AV2 depuis le début. J'ai fait un petit peu le bête dans toute cette histoire. Alors, on va juste utiliser. Tac. Quoi? Ah, ça ne fonctionne pas ici. Ah, oui, ok. Ah, attendez. Ça peut être sympa à mettre sur Avedon, en fait. Du coup. Après, les autres, c'est pas très très utile. Ah, il y a le père de notre ami Théo qui arrive. C'est l'ancien, du coup, plan power. Ça doit être centrale nucléaire, je pense, en fait. Hein, ouais, ça doit être ça. Donc, centrale nucléaire. Donc c'est celle-là qui a explosé. Je ne peux pas te dire combien de temps est-ce que j'ai fait des recherches à cet endroit pour trouver quoi que ce soit de ce qui s'est passé les années toutes les années avant quoi. Tout a été détruit par l'explosion, ouais. Et tout ce qui n'a pas été détruit a été ensuite brûlé, tout simplement. Crumbling, je sais pas ce que c'est, ça doit être un dans l'état délabré ou un truc comme ça, je pense. Il va être démoli bientôt en fait, ouais. Je pense que c'est ça. C'est certainement la dernière chance que nous avons de le découvrir, ouais. Left to find, are you going inside? In the last place, your mother. Donc ouais, on va aller dedans et en gros il nous dit que c'est là qu'il a vu notre mère pour la dernière fois. Enfin, qu'elle a été vue en général pour la dernière fois. Mais que c'est très dangereux. C'est pourquoi je t'ai. Ah, il nous a mis une puce de localisation. On va dire ça comme ça, ouais. Parce qu'on ne sait pas ce qu'on peut trouver à l'intérieur. Il aurait pu soigner nos Pokémon. Le salaud. Ok, bon bah écoutez, on espère, normalement je pense qu'on devrait trouver des petites choses assez sympas.
Donc bon bah je vous propose qu'on y aille. Est-ce qu'il y a quelque chose ici? Non, il n'y a rien du tout. Bon. Ok. Ah oh. Ouais, j'ai eu un un bouquin brûlé, trop bien. Je suis vraiment content. Ok, du coup, il n'y a que des types nucléaires. Très bien. J'espère ne pas dire de bêtises dans le sens où ils sont peut-être pas type nucléaire, mais je pense que oui. Ah. Ah, je peux pas partir. Bon, très bien. Je suis un petit peu dans le caca là. En plus, je rate toutes mes attaques, quoi, je vous jure. Je rate souvent mes attaques hein, sur ce jeu, c'est un truc de ouf. Ok, parfait. Oh merde, putain, ça fait pas assez de dégâts. Je suis obligé de tenter. Voilà, au moins il est KO. J'étais obligé de tenter en fait. Est-ce que je peux échapper? Oui. Bon, à la limite, j'aurais dû me laisser tuer en fait, hein, parce que je dois revenir au centre, enfin les soigner. Oh, un Tankoon! On va tenter de le capturer, tiens, voir si on peut. Ah, apparemment, on pourrait, ouais. Ah, j'allais dire oui, mais on peut en fait, carrément, parce que encore un peu, on le capturait du premier coup, mais non. Alors on va peut-être tenter. Avec une sombre boule, je pense que ça peut fonctionner, c'est la nuit. Yeah! Ok. Ok. Bon, du coup, on est dans la centrale. Mais non. On va jamais s'en sortir, hein, je crois. Je peux rien faire contre eux, en fait, hein. C'est du one shot. C'est un peu trop compliqué à mon goût, là. Bon là ok il a survécu mais... Ouais j'ai un revive quoi. Trop bien. C'est que je peux pas aller 30 fois au truc me soigner à chaque fois quoi, parce que de toute façon en revenant je perds tout. Donc bon lui on peut s'échapper normalement je crois. Parce que là, bon je suis désolé parce que ça fait un peu en mode râleur mais c'est juste que c'est compliqué quoi. Dites-vous bien que là c'est du one shot hein, quasiment. Oh putain, I can't escape quoi. Oh là là. Allez, s'il te plaît. Merci. Il y en a tout le temps en plus. Parce que bon, c'est sympa d'en voir un, quoi, je veux dire, mais à partir du moment où c'est du one shot, ne pas pouvoir escape, c'est waouh. Ouais, je pense que c'est fini là. Ah non, j'attaque en premier avec lui. Ok, bah heureusement qu'il est là, Vaiden, du coup.
Rusticae. Est-ce que je peux lire les notes là à chaque fois? Ok, bon, il y a rien, y a pas l'air d'avoir grand chose d'intéressant sur ça. J'ai pas l'impression en tout cas. Bon, tant que c'est des Kinetmung, c'est bien. Parce qu'on attaque en premier. Ah, là par contre, on a un souci. Parce qu'à mon avis, là, on va pas attaquer en premier. Ah si, parfait. Nickel Chrome, ça. On en croise trop là. Il suffit qu'on en croise un où on peut pas fuir, où on rate notre attaque et c'est fini. En plus, en soi, je crois que c'est pas super grand comme bâtiment quoi. C'est juste super chaud. Parce que j'ai pas de potions ni rien. J'aurais dû acheter des potions dans tous les sens. Allez, oh non, pas lui. Il attaque avant lui, non? Ah non. Oh non. Évidemment. Oh non. Ah non, je voulais pas user un autre Pokémon. Ah, Kent Escape en plus, allez. Fais-moi escape, quoi. Merci. Ah, mais je crois qu'on est juste en dessous, non? Je crois qu'on pouvait y aller de l'autre étage aussi, ici. Enfin, du truc en dessous d'où on vient. Donc, je crois qu'on est bon. Et que du coup, ça doit être par là, si je me trompe pas. Ah non. C'est fini. Ok, c'est bon, on résiste. Ok, parfait. Bien joué, commit. Ah. Ah, ok, la rusticaille servait ici. Ah, et c'est ici où ça a explosé. Ah non. Ah, quoique, je sais plus. Confidentiel, Shadow Locate, Underground, Project Zero, machin. Et ça sert à quoi du coup cette histoire? Est-ce que. Je suis pas censé appuyer sur l'écran là-bas? Bon, allez, on est reparti. Du coup. Je vous propose un truc à propos de ce Pokémon là. C'est qu'on tente de le capturer tout simplement si on peut. Je ne sais pas si on peut parce qu'il est. Je le trouve méga stylé quoi. Il est tellement stylé quoi. En plus en nucléaire, waouh. Il est trop trop bien quoi. Alors on va tenter des petites choses. Bon, ça va, il est pas très malin. Ok, je peux encore lui faire une attaque comme ça. Par contre, Mega Drain, c'est pas bon. Parce qu'il va se soigner, ouais. Ok. Là, on va tenter la petite Pokéball. Je sais pas si je peux le capturer ou pas, en fait. Allez. La Super Ball, même. Mais s'il te plaît. Oh non. Bon, c'est pas grave. On va retenter. Je pourrais peut-être tenter une autre attaque, mais j'ai peur que ça lui fasse trop de dégâts. Attendez, non, vous savez quoi? On va faire Darvenin. En espérant que. Ok, parfait. Ah oui, ça lui fait rien du tout par contre. Bon. Bah écoutez. On est reparti pour une Super Bowl. Yes!
Yes! Oh, type poison, psy. Ah, mais là, il est pas en type nucléaire. Attendez. Ça me perturbe. Est-ce que du coup... La radiation vous fait tomber dans les vapes, je pense que ça doit être ça, ouais. Aurel? Aurel? Allô, Aurel? Ouais, bon, je suis troublé, quoi. Ah, mais ils m'ont retrouvé. Ok. Merci, Arceus. Quoi? Arceus? What the fuck? Broken machin, ouais, bon, bah, ils nous disent qu'on a rien de bien grave, je pense. Parce qu'ils sont arrivés à temps, ouais, pour qu'on soit trop exposé aux radiations, tout simplement, en fait. Bon, c'est trop dangereux. Et il y a trop de Pokémon hostiles là-bas. Et donc on doit informer notre père, enfin on peut informer notre père de ce qu'on a vu là-bas, en gros. Notre père qui est, je vous rappelle, bah, tout simplement, qui fait partie des Rangers. What? Il n'y a plus de bateau? Donc on peut pas revenir ici. Oh, c'est quoi ça? Cocaron. Il est marrant lui. Voilà, par contre, je suis désolé, il y a des petits lags ici, c'est pas grave. Hop. Voilà. Alors, on va aller au centre Poké. Où est-ce que c'est? Non, ici c'est le parc. Là, c'est je sais pas quoi, je crois que c'est l'arène là. Ah. Alors on va regarder nos Poké après s'ils sont nucléaires ou pas. Du coup parce que je me dis que je me suis peut-être fait arnaquer dans toute cette histoire et que du coup ils sont plus de type nucléaire. Ah si. Poison nucléaire. Eh bien je me demande si lui en fait ça serait pas l'évolution du serpent. En le voyant en mode normal. C'est pas l'évolution de l'espèce de petit serpent là qu'on a croisé. En tout cas, il est méga stylé et il est méga puissant surtout. Allez, toi, on s'en fout de toi. Ouais, allez, allons-y, hein, prenons que des types nucléaires. C'est juste dommage que leur petite icône soit pas différent, quoi. Hop. Alors, du coup, on doit aller prévenir notre pauvre. C'est ici. Ah, c'est là. Oh, Aurel, tu as apporté la lettre à Cameron? Machin, report of strange Pokémon rare concerning, ouais. What? C'est tout? Bon. Ok, peut-être qu'il suffit simplement d'aller à l'arène, du coup, après. Je crois que c'est ça, l'arène. Bon bah écoutez, du coup on va cesser là pour cet épisode. Je sais pas si il aura été long, j'aurais peut-être fait quelques petites ellipses à certains moments parce que c'était assez difficile, on va pas se mentir avec les types de guerre. En tout cas j'espère qu'il vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'était le cas. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Laissez un petit commentaire aussi pour savoir ce que vous en avez pensé des petits Pokémon nucléaires du coup. Allez, ciao bye bye.